c'est le législateur de la parole de Dieu. Il est le dépositaire de la vérité en son temps. Il est la bouche de Dieu. Et la parole dans sa bouche, c'est ce qui donne la vie éternelle. Quand Dieu envoie un prophète, il ne vient pas pour parler d'un autre prophète. Et les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestés à la prédication des prophètes. Vous voyez, les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestés quand un prophète parle. Lorsque Moïse est venu, et le Moïse était en train de prêcher, il n'avait pas de Bible. Et quand on a demandé au fils de Dieu et au fils du diable, quel est votre absolu, sur quoi vous fondez votre foi, ils ont tous dit Moïse, tu es notre absolu. Mais en disant cela, Dieu sait qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable. Un enfant du diable ne croit pas en un prophète. Un enfant du diable ne croit pas en un prophète. Et alors, lorsque Moïse est mort, d'autres prophètes se sont levés. Esaïe s'est levé. Et Esaïe est en train de prêcher comme moi, je suis en train de prêcher aujourd'hui. Et Esaïe a fait son livre vert. Et les fils de Dieu ont dit, nous croyons à Esaïe. Et la fille du diable, on dit, nous croyons à la Bible de Moïse. Ce sont les filles du diable. Ils ne peuvent pas se soumettre, ils ne peuvent pas croire à un homme comme eux. Comme aussi le diable, étant un ange, ne pouvait pas se soumettre à Dieu qui était l'ange de l'éternel comme lui. Ce n'est pas possible. Et alors, un fils du diable, il ne peut pas se soumettre. Alors, il transportait les rouleaux. Il ne savait pas que Esaïe, ce que Esaïe est en train de dire, allait être un jour ajouté à la Bible, si le temps continuait. Les gens ne comprennent pas. Un féticheur qui, en temps normal, devait attacher des colis, des points blancs avec des carolets pour faire sa cérémonie au village, parce que les gens savent lire, même les catholiques demandent les gens d'aller chez les féticheurs. Il se met en veste avec une Bible à main et dit « Je suis prophète ». Il fait tomber les gens. Un prophète, c'est un messager. Ça veut dire un message. Quand on lit la Bible, on lit le livre du prophète Esaïe, le livre du prophète Moïse, le livre du prophète Jérémie. Un prophète, c'est cela. Moïse a fait, est-ce que Jérémie a fait tomber les gens? On ne sait pas. Moïse a fait tomber les gens, on ne sait pas. Il n'y a même pas de chrétien dans ce pays et je l'ai dit à la conférence. Il n'y a pas de chrétien. Quelqu'un qui va se tenir là et prendre la main que pour vous tomber, est-ce que je suis venu, c'est un prophète. Mais est-ce qu'il y avait une femme dans la Bible? Je crois en la Bible. Mais il faut lire la Bible. Et il y a une femme qui a touché Jésus. Jésus s'est tourné. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre a dit, tout le monde le pousse par vous. Il a dit, non, quelqu'un m'a touché. Parce qu'il poussait un château de mort. Est-ce qu'il a fait des problèmes? Je ne crois pas. Je ne crois pas au brigandage. Nous ne sommes pas les fous. Ceux qui font tomber les gens, c'est tout à jamais. Et quelqu'un va se tomber. Jésus-Christ a une puissance qui guérit. Et du seul guérit, le Dieu guérit. Je n'ai jamais fait tomber quelqu'un. Mais autant de témoignages que vous aurez ici, j'ai le témoignage, j'ai ce témoignage aussi. Et je regrette d'avoir refusé. Désormais, quand je dis que j'ai guéri quelqu'un de sida, j'aurai les preuves avec la déclaration de la médecine à l'appui. Nous ne sommes pas les séducteurs. Je ne suis pas un séducteur. Vous voyez, en septembre, je vais en France, en Belgique et en Suisse. Ce n'est pas pour évangéliser, c'est pour baptiser. Pourquoi? Parce que j'ai un message. Je suis là, puis mon message travaille. Comme Paul n'est pas venu pour y voir, parce que mon message est prêché ici. Tu t'élèves, tu dis, ouais, moi je prends la Bible. Mais c'est au jugement là, au jugement. Paul va s'arrêter avec ses rouleaux. Esaïe va s'arrêter avec son rouleau. Et Jérémie va s'arrêter avec son rouleau. Toi, tu l'as promis de quel côté? La Bible dit que Élie a eu 7000 personnes qui ont été sauvées. 7000 personnes. Est-ce que si tu crois Élie et puis tu sais une société Élie, tu mets un enfant en moi, il s'appelle Élie, tu mets sur ta maison, puis là, Élie, tu cours une forme, Élie, est-ce que tu peux t'ajouter dans les 7000? Faut croire au message de ton temps. La Bible est là pour nous indiquer comment est un vrai prophète.
petite. Et de ce pays, la Côte d'Ivoire, les anges ont chanté dans un lieu. Tous les prédicateurs qui croient à ce message depuis les minutes, tenez-vous debout. Prédicateurs et pasteurs, asseyez-vous. Ceux qui sont de même ethnie que moi, tenez-vous debout. Frère, tu peux t'asseoir. Vous voyez, ce soir, Dieu prend ce qui n'a rien pour en faire quelque chose, c'est pourquoi il est Dieu. C'est cela, la parole de Dieu, c'est cela. Autant faire tomber les gens, mais je peux, quelqu'un me peut prendre la fétichère en soi, autant au village. Les guérisons, tout le monde en fait, mais une guérison, il faut que la guérison vienne pour conduire quelqu'un vers un message, une vérité. Tu n'as pas cette vérité et tu fais ces miracles. C'est ce que j'admets et j'embrasse au père devant Moïse. Moïse avait un message. J'admets et j'embrasse, ne m'en pas. C'est cela. La parole, c'est la parole. Et alors que j'ai été appelé, le fait de la Bible, le cadre, Dieu m'a regardé. Point de Dieu, quelqu'un ne peut pas dire que j'ai fumé avec lui. Je l'ai jamais fumé. Je l'ai jamais bu. Qu'une fille ne peut même pas dire même dans le village et il a cherché, qu'elle a refusé.